j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être parmi nous pour partager notre joie de voir un groupe de jeunes ambitieux auxquels on a contribué pour en faire de futurs dirigeants. Je voudrais aussi féliciter les lauréats pour les efforts fournis. Nous avons placé la barre haute pour qu'ils réussissent, pour qu'ils soient nos meilleurs ambassadeurs. Notre objectif à la MSB et maintenant avec l'école d'ingénieurs, c'est d'être au service de notre économie et de faire de la Tunisie l'université pour l'Afrique. Donc, félicitations et tous mes voeux de succès. J'aimerais m'adresser à ces jeunes pour leur dire combien nous sommes fiers de leur détermination d'acquérir une formation que nous considérons de dimension internationale. Votre master est le seul en Afrique accrédité par l'organisme londonien AMBA. Et vous avez une grande responsabilité d'en faire votre clé de succès dans votre parcours professionnel. J'aimerais vous dire, je n'ai pas enseigné dans votre programme, j'ai participé à la conception du programme, mais j'aimerais vous dire quelques mots, quelques recommandations avant que vous nous quittiez pour votre parcours professionnel. Soyez entreprenant et n'ayez pas peur de l'échec. On estime qu'on vous a préparé pour éviter l'échec. Mais soyez entreprenant, imaginatif et visionnaire. Vous êtes notre meilleur ambassadeur pour rehausser le blason de ce pays et nous vous faisons confiance. Deuxièmement, la MSP fait partie de vous pour le reste de votre vie. Moi, je dis toujours aux étudiants, beaucoup de choses qu'on peut faire plus d'une fois dans la vie. On peut changer de métier, on peut changer de logement, mais votre diplôme et l'université qui vous l'a attribué restera avec vous pour le reste de la vie, de votre parcours professionnel. Donc, nous vous avons délivré ce diplôme. Nous vous faisons confiance et nous vous souhaitons tout le succès.